Hey, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Buzz 77610, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Days Gone, les aventures de Deacon St. Jones. New Game Plus Gameplay partie 22 si je me trompe pas. Lors de la dernière vidéo on avait fait le checkpoint ici. On s'était battu contre la horde de la Syrie qui n'a pas été comptabilisée parce que ça fait partie de la mission, d'une mission principale. J'avais réussi à trouver un camp ennemi et on s'était arrêté au niveau de la zone des nids infestés. Du coup, aujourd'hui, on part pour la zone de nids infestés. Après les nids infestés, on va partir sur la mission avec O'Brien. Et si on a le temps, aujourd'hui, on repartira chez Tuck pour le job de campement. Donc voilà le programme, les amis. C'est parti. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et s'il vous plaît, à partager le lien de la chaîne. Let's go les amis, on y va, c'est parti. Donc voilà les amis, je suis dans la zone des nids infestés, j'ai un nid à côté de moi, il y a pas mal de monde. J'irai faire aussi le checkpoint du tunnel de Siantiam, parce que je peux le faire, mais je pourrais pas aller dans le tunnel vu que c'est fermé. Donc voilà, c'est parti. Donc vous voyez, il y a déjà pas mal de mutants qui sont là. Ok. Ok. Donc là, vous voyez, hein, y a pas mal de mutants là déjà pour commencer. Il est juste devant toi, Deacon. Ok. Bon. C'est bon. Bon, a priori, il devrait y avoir personne dedans. Comment qu'on fait déjà? Non. Oh, ça c'était pas prévu les amis. C'était pas prévu du tout. Il y a une horde qui s'est invitée à la fête les amis. Ah!
Ah, c'était pas prévu du tout, ça. Oh là 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 là. C'est la misère, les amis, c'est la misère! Mais ils sont partout et il y en a qui bug en plus! Donc là, vous voyez, hein, quand vous vous attaquez à une horde en dehors de leur nid, c'est très compliqué de... C'est extrêmement compliqué de savoir si vous avez anéanti la horde. Parce que vous avez des mutants. Vous avez des mutants qui sont hors horde. Et du coup, là, j'ai fait pas mal de dégâts, pas mal de cadavres. Mais impossible à savoir si il faisait partie de la horde. Du coup, la horde n'a pas été comptabilisée. Bon, vous êtes combien là encore? C'est bon? Bon, apparemment, on est pas mal. Bon, alors, du coup. Et ça, les amis, c'était pas prévu du tout, mais Ça va alors tout pas du réservir. tout. Ok. J'ai plus de balles du tout, c'est la merde. Donc le bidon il est là. Hop, chiffon. Donc on va s'occuper comme d'habitude, hein. Le nid. Il doit être par là. Ah là, il y a un nid qui est pas loin déjà. On va s'occuper de rétablir le courant au niveau du checkpoint. Donc ça c'est bon. Là-bas, il n'y en a pas. Ah, je sais pas pourquoi, mais je suis sûr et certain que j'en ai oublié. Ah, il y a un nid juste là, les amis. Et... Alors, Un attendez. autre nid. Allez, oh. Thank you.
Allez, couche-toi. Tranquille. Bon, là, j'ai plus de balles, les amis. Ok. Donc là, vous voyez, je peux pas rentrer dans le tunnel, hein, comme je vous avais dit, parce que du coup, le tunnel vous emmène dans la partie sud du jeu. Et au moment où je vous fais la mission, on n'a pas accès. On n'a pas accès à la mission, enfin, on n'a pas accès à la zone. Un fusible, cool. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, fallait. Ok, Fais bah, c'est cool. chier. Les plombs sautés. Ouais, les plombs ont sauté, ouais, mais alors, attends 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? D'accord. Ok. Bon. A priori, il n'y avait que 2 trucs. Je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres. Par contre, la horde, bah, ça me l'a pas comptabilisé, hein. Je suis un peu dégoûté. Pour le coup. Parce que j'ai fait pas mal de morts. Mais c'est pas grave, tant pis. Voilà. Donc là, c'est pour l'essence, d'accord. Ça, j'en ai besoin. Donc, on va remettre le fusible. Ok, j'ai compris pourquoi il y avait le truc là. D'accord. Ça marche. Est-ce que... Non, je peux pas. Bon, je pense qu'il faut remettre le fusible, l'essence, tout ça. Pour pouvoir... Bon. Voilà, ça devrait être bon. Alors, voilà, le fusible, c'est Voilà, ça mis. devrait être bon. On va remettre l'essence. Le bidon, il est là. Un bidon d'essence. Hop. Le générateur, il est derrière. Il n'y a pas de galère. Allez, bah devine, devine. Tac, et là, normalement, c'est tout bon. C'est bon signe, ça. Ok. Quand même. Voyons ce qu'on a là-dedans. Bon, comme toujours, hein, pour valider, il faut... Un injecteur de néon. Utiliser le Qu'est-ce qu'il me Nero, enfin fallait? l'injecteur. Ça change pas. Vas-y, pique-toi d'icône. Drogue-toi. Donc, on a rétabli le courant. Là, je vais faire le plein de munitions parce que là, il y a besoin. Vous avez vu combien ça coûte, hein, 632. Heureusement que j'ai des réserves. Donc là, on est bon. 175 et il va falloir que je refasse à nouveau le plein de balles spéciales. Hop, voilà, là on est tout bon. Ok. Alors, les nids. Où? Hop là, là c'est 2 tirs dans la tête, il n'y a pas photo. Ok, bon. Alors, la zone rouge, elle est là. Donc les nids devraient être dans la direction par là. Ok, bon, bah écoutez, on va mettre un petit marqueur. Tu m'as vu. Il n'y a pas de galère. Bon. Ma moto, elle est comment? Oula, au niveau de l'essence, les amis, il va falloir que j'en remette.
Je vais aller chercher le bidon d'essence vite fait. Je sais pas s'ils font partie de la... Alors on va surveiller bien là. On va bien surveiller le truc, voir s'il se rapproche de moi ou pas. Donc là, on est bon. Ah, il m'a vu. La horde, c'était la... Voilà, la horde, elle a été comptabilisée. Ok. Bon, on s'est débarrassé de la horde. On a rétabli le courant pour le checkpoint du Nero. Donc là, on est bien. On est bien. Il n'y a plus qu'à aller terminer la zone de nuit. Donc là, je suis assez content quand même. Oh, regardez, il bug. Je fais du surplace, je fais du moonwalk. Bon, alors j'imagine que les nids sont là-bas. Je sais pas si c'est dans cette zone, mais... bientôt, on va avoir des nids de... des nids de corbeaux infestés. Donc, oh, et ben la horde, elle venait d'ici, vous voyez. Ouais, la horde, elle venait d'ici, les amis. Ça donne envie d'y aller, hein. Bon, il n'y a rien dedans. Donc ça c'est pareil, hein. Je pense que là c'était une petite horde. J'avais envie de dire pas bien méchante, mais bon, quand vous tombez dessus, quand même quoi. Alors les nids, je pense qu'ils vont être là-bas, ok. Il reste deux nids à trouver. Et bah là les gars, j'ai eu un réflexe. Sinon il allait m'attaquer, il allait me toucher. Mais j'ai eu une petite peur là parce que je l'ai vu au dernier moment, c'était pas cool. Donc là, il y a un nid. Je dois plus être très loin. Ok. Non. Ah d'ailleurs, il va falloir que je retrouve des... Ah ouais, d'accord, ok.
Il va falloir que je retrouve des grenades à fragmentation. Donc, le nid là, ok. Il va pas me dire que... Il va pas me dire que le dernier nid va être au niveau de la maison là-bas. Hein. Bon, il reste plus qu'un nid. Plus qu'un nid à trouver, les amis. Alors le dernier nid, bon courage pour le trouver. Hein. Allez, la zone de la horde. Ah, je suis un peu perdu là. La ferraille, ça va être bien ça. Ah non. Alors ça les amis, si j'ai pas pu le récupérer, c'est parce que c'est un silencieux. C'est pour récupérer un silencieux. Oh. Mais il y a pas mal de trucs à récupérer dans cette maison, dis donc. De conserve, c'est ce que j'ai besoin pour les fabrications de tout pratiquement. Qu'est-ce que t'as fait tomber? Un attracteur, c'est cool, ça m'évite d'utiliser des matériaux. Ça, c'est bombe commandée. Ça c'est pas mal. Ça c'est très très bien. Ouais. Bon bah on n'est pas venu là pour rien, c'est cool. Ok, a priori on a pris tout ce qu'il y avait. Bon, par contre, j'ai toujours pas trouvé le dernier nid, là, ça commence à me titiller comme il faut, là. Ok, là, on va pouvoir récupérer des pièces. Donc là, désolé, on perd un peu de temps à fouiller, hein. Donc là, le bandage, je peux pas le récupérer. Voilà. J'ai besoin de ferraille. Oh oui, bien sûr qu'on a besoin de ferraille.
Ok, on est bon pour la ferraille, y a plus besoin de chercher. Donc, s'il y a du kérosène, s'il y a ce qu'il faut pour créer un cocktail Molotov, c'est qu'on ne doit pas être loin du nid, hein. Je vous le dis tout de suite. Boîte de clous. Voilà, à mon avis, on ne doit pas être bien loin. Bon, alors là, faut tout visiter, hein. Faites le tour de la maison, vraiment. Bon, apparemment, on est full. Donc ok, le bas c'est fait. C'était pas si dur. Mettez-vous toujours en garde quand vous ouvrez une porte, hein. On sait jamais ce qu'il peut y avoir dedans. Une boîte de conserve, ça peut servir. Bon, bah apparemment, il n'y a rien. Donc là, vraiment, les amis, je suis un peu perdu parce que je sais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Où va être le dernier nid? Je suis complètement paumé. Un peu compliqué là. On va retourner ici, mais... Et vous vous souvenez, hein, je vous avais expliqué, Deacon, quand il est à côté d'un nid, il le sent tout de suite. Et c'est lui qui m'indique où ils sont. Mais là... Ouais, bon, bah là, c'est là où j'ai fait le nid, hein. Là, effectivement, il y en avait un. Mais alors après, où est-ce que ça pourrait être? Parce que là, il y a juste cette maison-là. Il n'y en a pas d'autre. Là, c'est une petite truc de rien du tout. Ouais. Eh ben... Là, c'est compliqué, les amis. C'est compliqué.
Bon, là, pour le moment, je suis toujours dans la zone. Je sais pas où il va être. Parce que là, je suis en plein dedans. Suis en plein dans la zone, mais je vois pas. Ah! Je le sens. Deacon l'a trouvé. D'accord. Je vois où il est. Au niveau du camping-car. Allez. Ah là, peut-être. C'est bon les amis, j'ai trouvé le dernier. En voilà un autre. On a eu le saloperie. Bon, l'ennemi, c'est fait, c'est terminé, on n'en parle plus. Voilà. Ok, donc les nids, c'est fait. C'est terminé, les nids, c'est fait. Hop. C'est beau quand ça brûle quand même. Mine de rien. Bon. Allez, finis de brûler, s'il te plaît. Mets du temps. Hein. Bon, c'est encore un peu rouge, on va attendre. Bonjour. Petit le nid. Hein. Bon. Est-ce qu'on a assez d'essence pour aller jusqu'à là-bas en voyage rapide? Ouais, c'est cool. Et voilà les amis, c'est sur ce petit voyage rapide que la vidéo s'achève. On va aller parler à Tucker, hein, prendre la mission du camp. Hop, on va aller lui parler, on va prendre la mission du camp. Et on va savoir ce qu'on va faire pour la prochaine vidéo. Ouais, Toc, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours un problème. Alkaï a dit que les Reapers se dirigeaient vers ici. Ouais, je me rappelle, il a dit qu'il n'avait pas essayé de les arrêter. On les a vus en train d'espionner Hot Springs. Deux de mes hommes les ont suivis jusqu'à leur camp, dans les falaises au sud des cratères jumeaux. Enfoiré de Reaper. T'en fais pas, je m'en occupe. J'ai un compte à régler avec eux. Un compte à régler? De quoi tu parles? Oh, rien, oublie ça. Voilà les amis, alors,
Pour la prochaine mission, on ira. Pour la prochaine vidéo, on ira ici. Donc voilà les amis, sur cette prise de mission, je vous dis à très très bientôt pour la suite de Days Gone, les aventures de Deacon St. Jones. Et la prochaine vidéo, ça sera New Game Plus, gameplay partie 23. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et s'il vous plaît, pour les abonnés, et même pour les non-abonnés, hein, à partager le lien de ma chaîne pour m'aider à me faire connaître. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut, salut!